Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Far Cry 5. Enfin, ce jeu que je l'attendais depuis un mois. Même, attendez, mais non, pas du tout, pas un mois, je l'attendais depuis 2-3 mois. Ah, j'ai regardé leur trailer, il était incroyable, je l'attendais. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'il y a désormais 3 vidéos par jour, parce que je voulais lancer Far Cry, je me suis dit je pourrais pas effacer les autres, enfin, je pourrais pas enlever d'autres let's play, donc pourquoi pas en rajouter, hein. Et ben voilà, c'est Far Cry, Far Cry est là, Far Cry est avec nous. Maintenant, c'est le nouveau jeu que vous allez pouvoir me suivre en let's play tous les jours. À 16h, oui c'est bien tous les jours, donc 7 fois par semaine vous aurez des vidéos de Far Cry. Bon, vous savez très bien que moi mes durées de vidéo c'est 15-25 minutes, même de 10 à 25 minutes. Donc Far Cry, voilà un jeu qui permet en gros de pouvoir profiter. Et surtout que j'aime bien jouer sur de grosses, sur de très très grosses licences, comme par exemple FIFA. Maintenant, on joue avec Far Cry. Je peux me le permettre du fait que j'arrive de plus en plus à avoir une communauté. Donc, pourquoi pas profiter. Voilà. Surtout qu'il y a de plus en plus de personnes qui me suivent. Donc, ça fait plaisir. On va créer une nouvelle partie. On va faire en mode normal. Alors, pour vous dire, je ne sais pas comment jouer. Alors, ça c'est une femme, ça c'est un homme. Je suis un homme. Puis elle modifie ultérieurement. Oui, je suis un homme. Donc, Far Cry, voilà, je l'attendais depuis un moment. Alors, on va jouer tous les jours, on va faire les quêtes, qu'elles soient annexes ou au niveau de l'histoire. Donc, il y a la quête de l'histoire, donc c'est la quête primaire, c'est celle qu'on va faire tout le temps, c'est la quête de l'histoire pour permettre de... d'améliorer notre stimulatif. Et après, on a la quête, les quêtes annexes, c'est-à-dire les quêtes secondaires, qui eux aussi, on va les faire. Donc, on va faire un petit mélange entre quêtes par rapport à l'histoire et les quêtes secondaires. Oh. Tous ces trésors. C'est pas une région comme les autres. Et c'est ma maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérer. Bonjour à toi, mon frère. Vous ne comprenez pas, on ne les prenait pas au sérieux. Ils étaient différents. Religieux. Militants, c'est une putain de secte. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installé là. Sous notre nez. Personne viendra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tout seul. Dieu exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. On ne sait pas de quoi il est capable. Leur leader. Joseph Seed. Il l'appelle le père. Et contrairement à nous, les gens ne voient rien. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Et je leur ouvrirai les yeux. Oh, les Marshall. Putain, c'est trop bien fait. Oh merde, le voilà. Quelle espèce de malade. Seigneur. On est bien arrivé chez les cinglés. C'est encore loin. Juste assez pour que vous puissiez changer d'avis. Et qu'on fasse enfin demi-tour. Et vous avez vu le GPS ? Oh, trop bien. Sa route et ça s'est rarement bien terminé. Je dis juste que
Parfois, on peut aussi détourner le regard. Ouais, ben... ici, il y a des lois à respecter, shérif. Et Joseph Seed va devoir s'en rendre compte. Rat, encore. Tu veux bien appeler le central, s'il te plaît? C'est fait. Whitehorse à central, à vous. J'écoute, Earl. On approche de l'objectif, Nancy. À vous. Compris, shérif. Vous n'avez toujours pas changé d'avis? À vous. On a malheureusement pas réussi à raisonner notre ami le Marshal. À vous. Ok. Il a de la chance que je sois pas là. Si vous avez des ennuis, prévenez-moi. À vous. Compris, terminé. On aurait peut-être dû emmener Nancy avec nous plutôt que le nouveau. Ces tarés la feraient jamais chier. Rat! Les tarés, c'est une trouvaille à vous? C'est parce qu'ils sont rien d'autre, des tarés. Franchement, ils méritent pas qu'on les appelle autrement. En gros, ils ont débarqué gentiment il y a quelques années, mais là, ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont prêts à se battre. Vous avez peur, shérif? On y est. C'est juste en dessous de nous. Oh my god! What the fuck? Oh nom de Dieu! C'est vraiment pas une bonne idée. Dernière chance, Marshall. Allez, c'est parti. Pose-nous. Pratt, bien compris. S'il le faut. À vous. Ok, shérif. Je vais prier pour vous. Bon, écoutez-moi. Trois règles. C'est moi qui parle. Personne ne dégaine son arme. Ok, bébé. On reste en rang serré. Compris. Oui, chef. Oui, chef. On y va. Allez. Commando. Commando, commando. On y va. Attendez, mais on marche super lentement. T'as un problème, toi ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Tu calmes. Que tout le monde reste calme. Continuez ce que vous faisiez. Ça vous concerne pas. Mais on est super lent. Tout ira bien, Hudson. Tout va bien se passer. T'as un problème, toi ? Oh, toi, tu fais peur, toi. Ouais, et ils respectent pas trop ça par ici. Ils vont respecter mon 9 mm. On résout pas tous les problèmes avec une balle dans chaque. Ah mais il y a des chiens là-dedans. Wow. Moi aussi je fais partie de votre famille. Ok, au revoir. Le père. Oh là là. Salut. Putain. C'est génial. C'est compris. Hudson, à la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petit, avec moi. Petit ? Et vous marchez. Bon bah je m'appelle Petit, hein, les mecs, hein. Petit. Essayez simplement. Ah, Petit ! Du calme, shérif. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Oh, rien que la musique, là. Oh. Ça va aller. La messe, quoi. Oh, ça me rappelle quand je faisais du catéchisme. Oh, ça m'énervait. Vous le sentez, n'est-ce pas? Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à rendre. C'est pour ça que nous avons ce projet. Car nous savons ce qu'il va se passer. C'est notre projet! Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes, de notre liberté, de notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Shérif, doucement. On y va, doucement. Terminez leur avarice. Fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Shérif. Nous allons refuser de souffrir. Bon, ça suffit. Joseph Seed. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. MDR. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors je vous ordonne de vous avancer les mains bien en évidence. Non.
Les voici. Les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Très bien. Reculez tous immédiatement. Reculez. Ça suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. Ça fait peur, ça fait une secte. Putain, ça fait super peur là. Tu ne les laisseras pas m'emmener. Quoi ? Je vis l'agneau ouvrir le premier sceau et j'entendis dans une voix semblable au tonnerre l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois ». Allez, on avance. Et je vis. Devant moi. Un cheval blanc. Et l'enfer derrière lui. Petit, passe les menottes à cet enfoiré. Pourquoi c'est moi qui dois le faire ? Dieu ne vous laissera pas faire. Non ! Non, non, non ! On appuie sur A. Parfois, la meilleure des options, c'est de faire demi-tour. Waouh ! C'est génial ! Putain ! Rien que le début est génial. Ah, mais ça va être triste, y a pas de gameplay là. Allons-y. Ouais, bah je marche, c'est lent là. Attends, on dirait qu'on va faire la prière du jour. Il faut qu'on se casse de cet endroit. Marshall, passez devant, on va à droite. Je suis dessus. On vous laissera pas. On vous laissera pas. Vous n'avez pas le droit. Reste sur la voie, petit. Ah, j'ai trouvé. Ah, bah non, on va toujours pareil. Attendez, si on fait ça, ah ouais, ça va à la même vitesse. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur son truc, Tony? Oh, c'est violent! Je vois pas son... Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit Anthony, je sais pas quoi, là. Lâche-toi, allez. Je suis un marshal fédéral. Reculez, je vous ordonne de reculer. Rangez ça. Wow, ça perd n'importe quoi là. Attendez, j'ai pas vu. Mais les gens, ils sont malades. La manette, elle vibre à fond. C'est génial. Waouh. Incroyable début. Salut. Ah, mais on est à l'envers. Oh putain, cette gueule! Oui, centrale. Oh mon Dieu! Nous n'avons aucun problème.
Pas besoin d'appeler qui que ce soit. Oui, père. J'ai foi en vous. What? Oh, elle est corrompue! Personne ne va venir te sauver. Dieu vous garde sous l'ombre de ses ailes protectrices. Tout se déroule selon les plans de notre Seigneur. Tout le monde est corrompu! Je suis toujours avec vous. Le premier sceau est brisé. L'effondrement a commencé. Et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi, les messagers de l'Apocalypse verront la vérité. Que la récolte commence! Seigneur Dieu, on arrive à se tirer d'ici! Oh! Moi, je dois faire rien ou quoi là? Ah! Enfin! On se croirait au cinéma quoi! Ah! Comment on court? Je suis en train de courir là! Catastrophe! Ouais, mais je vais où? C'est bien ça, mais. Attends, moi je suis ce parchemin moi! Comment on saute? Ah! Yes! Mais faut aller où? En fait, non. Il faut aller où? Oh les cons. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Discrétion. La jauge de détection se remplit quand les ennemis peuvent vous voir. Lorsqu'elle est remplie et clignote, vous êtes repéré. Ok. Une fois assez près d'un ennemi sans avoir été détecté, appuyez sur RS pour effectuer une exécution discrète. Ok. Ah, faut appuyer deux fois. Accroupissez pour rester discret. Ok, on s'approche. Je sais qu'il y en a ici. Oh, c'est pas très discret ça. C'est pas discret. X. Faut que j'appuie sur RS pour faire une attaque. Plus rien pourra nous arrêter. Y'a un mec là. Je te vois. Wouhou. Ah, j'ai une autre pagaie, mais je vais pas la prendre. Tu as un problème, toi? Allez, headshot. Moi, je pille. On s'en bat les couilles du corps. Mais en tout cas, on peut bouger le corps. Bon, c'est bon, je crois que je peux passer comme ça en mode on s'en fout. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Piller. On se dirait un petit peu comme dans Dying Light. Je sais pas si vous connaissez le jeu Dying Light. J'ai tout fouillé ici. Ouais. Bon, bah je m'en vais. Comment on reste à genoux, c'est vrai, ACB. Je vois un mobile homme, pas loin, près d'un pont assez long.
Ok, ben nous on va s'arrêter là pour cet épisode, pour ce premier épisode de Far Cry. C'est incroyable. Bon, il y a eu plus de, je vais vous l'avouer, il y a eu plus de, voilà, de, il y a eu beaucoup plus de, de cinématiques. Mais on dirait vraiment, si Far Cry fait un film, ça pourrait être vraiment pas mal. Franchement. En plus, ça ressemble un peu à Dying Light, j'ai l'impression. Pour ceux qui connaissent pas, regardez sur la chaîne de Fantabob Games, qui ont fait Dying Light. C'est génial. Je suis en train de re-regarder Dying Light, d'ailleurs. Franchement, ça ressemble un peu à Dying Light. Au niveau de tout ce qui est au niveau du pillage, etc., etc. Donc, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Ça sera demain, même heure, toujours à 16h. Allez, on se retrouve pour un prochain épisode. 3, 2, 1. Ciao tout le monde!